Conakry, le 8 août 2019. Madame, monsieur, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Marc-Christian Kabore est à Conakry. Le président du Burkina Faso a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération. Plus de 800 pharmacies identifiées en Guinée, c'est le résultat d'une étude de terrain. La démarche vise à réguler le secteur pharmaceutique et offrir des produits de qualité aux populations. Au sommaire encore, la Guinée, à quelques jours de la fête de Tabaski, les préparatifs vont bon train. Les marchés et gares routières sont bondés de monde, le temps presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président du Burkina Faso, Marc-Christian Kabore, est à Conakry pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a été accueilli à l'aéroport international de Conakry, Gbessia, par le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Mahamoudou Bari revient sur les temps forts du cérémonial d'accueil. Regardez. C'est la toute première visite d'amitié et de travail du président Roch Marc-Christian Kabore en Guinée. Le président burkinabé a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami, professeur Alpha Condé, tous vêtus de tenue locale. Roch Marc-Christian Kabore et professeur Alpha Condé mettront cette visite à profit pour parler d'intégration sous-régionale, de coopération bilatérale, du terrorisme et d'échanges commerciaux. Mieux, les deux chefs d'État vont évoquer la question d'énergie ainsi que la préoccupation du G5 Sahel, présidé actuellement par le président du Burkina Faso. Le Burkina est un pays sahélien de près de 17 millions d'habitants. Un pays essentiellement agricole qui a besoin de nouvelles perspectives pour améliorer ses revenus et augmenter ses indices de développement. Quatrième pays producteur de l'or de l'Afrique, le Burkina Faso connaît des mutations positives depuis l'arrivée du président Roch Christian Marc Kabore. Ainsi, la rencontre de Conakry permettra de passer en revue les différentes recommandations de la Grande Commission mixte de coopération tenue à Ouagadougou il y a 2 ans. C'est pourquoi, au salon d'honneur de l'aéroport international Conakry-Bessia, le président burkinabé s'est réjoui de cette première visite en Guinée. C'est la toute première fois que je fais une telle visite en Guinée. Ce qui n'est pas normal, puisque le président Alpha Condé, non seulement un ami, mais un grand frère, et il a assuré des charges importantes au niveau de l'Union africaine. On a toujours promis d'organiser cette visite d'État, donc je pense qu'il était temps quand même que nous puissions l'exécuter, parce que nous avons d'une part à discuter de la coopération nécessaire entre nos deux pays, de sa consolidation, mais également des problèmes qui concernent la sous-région et l'Afrique de façon générale. Et également, c'est l'occasion pour moi, non seulement en tant que président du FASO, mais en tant que président du G5 Sahel également, de venir également discuter avec eux sur la question de la lutte contre le terrorisme, qui est un fléau qui mine la sous-région donc, du Sahel. Et nous avons beaucoup apprécié sa contribution toujours permanente à nos côtés, dans le cadre de ce combat-là, et je crois que cette visite va nous permettre en tout cas de relancer auprès de nos deux gouvernements la dynamique d'une coopération beaucoup plus forte et d'interpeller également nos hommes d'affaires à pouvoir développer des activités et un tissu économique entre la République de Guinée et le Burkina Faso. Déjà, les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Dans l'après-midi de ce jeudi, professeur Alpha Condé et Marc-Christian Kabore se rendront au port autonome de Conakry et à la Blue Zone de Kaloum, avant de se rendre demain
sur les sites de Swapiti et de Kalita. Justement, le président de la République et son homologue du Burkina Faso ont eu un premier entretien ce matin au palais Sertouria sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la formation, la sécurité et la culture. Professeur Alpha Condé et son homme de marque, Marc Christian Kabore, tiennent à donner un nouvel élan à la coopération entre la Guinée et le Burkina Faso. Le compte-rendu est signé de Sanassi Keïta. Première visite du travail et d'amitié du président de la République du Burkina Faso en Guinée. Roch Marc Christian Kabore est reçu par son frère et ami, Professeur Alpha Condé. Les deux hommes d'État ont longuement discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun entre la Guinée et le Burkina Faso, notamment la culture, l'agriculture et la formation. Professeur Alpha Condé et Roch Marc Christian Kabore ont manifesté leur détermination de renforcer et de diversifier la coopération entre Conakry et Ouagadougou pour le plus grand bonheur de leur peuple, guinéens et burkinabés. Les présidents Professeur Alpha Condé et Roch Marc Christian Kabore ont par ailleurs échangé sur des questions d'ordre sous-régional et africain, comme le terrorisme et la sécurité. Le chef de l'État burkinabé a loué les efforts inlassables fournis par le président Alpha Condé dans la lutte contre le terrorisme sur le continent et surtout pour le soutien financier du G5 Sahel. G5 Sahel, un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération en matière de développement économique et de lutte contre le terrorisme, regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et la Mauritanie. Cette visite de travail et d'amitié de 48 heures du président du Faso, président en exercice du G5 Sahel à Conakry, témoigne ainsi de sa volonté à cimenter les relations d'amitié et de coopération mutuelle qui ont toujours existé entre la Guinée et le Burkina Faso. Après le palais Sertouria, les deux hommes d'État se sont rendus à Blouson de Kaloum, puis au port autonome de Conakry. Le président du Burkina Faso se dit impressionné par la qualité des infrastructures et a souhaité développer un partenariat avec la Guinée afin que les marchandises de son pays transitent au port autonome de Conakry. Ibrahima Keïta. Poursuivant son séjour d'amitié de travail en Guinée, le président du Faso, en compagnie de son frère et ami, professeur Alpha Condé, s'est rendu à la Blue Zone de Kaloum. Dans ce cadre de rencontres d'échanges des jeunes, Roch Marc Christian Kabore et sa suite ont visité quelques compartiments de la Blue Zone. Ici, tout est mis en œuvre pour un encadrement correct de la jeunesse. Le président de la République, professeur Alpha Condé et son hôte se sont rendus dans la salle de cinéma Canal Olympia, une salle de près de 300 places ouverte en cette période de grandes vacances tous les jours. Au mini-terrain de football, Roch Marc Christian Kabore et professeur Alpha Condé ont échangé avec les enfants de l'Académie olympique de Kaloum. De la Blue Zone de Kaloum, direction le port autonome de Conakry, précisément au parc container. Là, la visite était essentiellement axée sur les innovations apportées à ce niveau. Pour une superficie de 20 hectares, le parc container possède pour la première fois de son histoire deux portiques sur rails téléguidés, quatre grilles de livraison des containers et deux grilles Goldwall de 200 tonnes. En tant que pays continental, cette visite est une occasion de montrer la capacité opérationnelle du port autonome de Conakry. En visitant la Blue Zone et le parc container, ce jeudi, Roch Marc Christian Kabore s'est dit impressionné et prêt à développer un partenariat avec la Guinée pour le transport des marchandises de son pays. Nous avons vu visiter la Blue Zone parce que vous savez qu'avec le groupe Bolloré, nous avons aussi construit deux salles de cinéma au Burkina Faso, mais nous n'avons pas de Blue Zone. La Blue Zone pour nous est un cadre approprié pour la jeunesse de Guinée, pour non seulement renforcer leur capacité sportive, puisqu'il y a différents terrains de sport, mais également travailler dans le domaine culturel, puisque la promotion de la culture africaine également est mise au centre de l'exploitation aussi de la salle de cinéma. Donc je voulais dire que c'est un bel exemple de coopération avec le groupe Bolloré et nous ne manquerons pas, à l'instar de cet exemple qui fonctionne sous la base d'énergie, je dirais, renouvelable, qui sont des énergies solaires avec des batteries qui permettent de stocker l'énergie. Nous pensons que c'est une technologie vraiment de dernière génération et je pense qu'il serait bon qu'une telle activité également soit développée dans les autres pays.
Le second point, c'est la visite du port. Et c'est la première fois que je visite le port de Conakry. J'ai vu également là le travail qui a été fait pour améliorer la gestion des conteneurs avec le groupe également toujours Bolloré. Et il y a des projets plus importants pour permettre à des bateaux plus importants de pouvoir accoster à Conakry ici. Et la vision prospective, c'est de faire en sorte que le port de Conakry puisse servir comme base également pour une ville comme Bobo-Dioulasso dans notre pays, au Burkina Faso, parce que Conakry et Bobo se situent à peu près à 600 km, ce qui permettrait de gagner également dans le transport et dans l'efficacité. Et je voudrais féliciter le gouvernement pour les avancées qui sont faites, en tout cas en ce qui concerne le port, en souhaitant que les projets qui sont en cours puissent se réaliser rapidement. Après le parc conteneur, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête élargi. Là, il s'agissait de mettre l'accent sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Burkina. Déjà, plusieurs domaines d'intervention sont identifiés. Il s'agit entre autres de l'agriculture, du commerce, de la culture et du transport. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale avant de poursuivre cette édition suite à la catastrophe aérienne survenue à Conakry le 6 août 2019. Le ministère de la Défense nationale informe que le corps de l'un des deux membres d'équipage a été retrouvé et transféré à la morgue de l'hôpital national Ignace Dine. Il informe par la même occasion que les recherches se poursuivent activement en vue de retrouver le second membre de l'équipage porté disparu. Dans les opérations de secours et de sauvetage, l'aéronef accidenté a été repéré, puis remonté à la surface, transporté et sécurisé à la base aérienne principale de Conakry. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense nationale présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, au président de la République, professeur Alpha Condé, chef des armées, au chef d'état-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au peuple de Guinée. 72 heures donc après le crash de l'hélicoptère de l'armée de l'air, l'appareil a été extrait de l'eau et cet après-midi, l'opération s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement et des autorités militaires. Nous vous proposons le message du gouvernement à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Écoutons le général Bourema Kondé au micro du commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. De monsieur le président de la République, qui est aussi celui du gouvernement que dirige Dr Kassouri Fofana, c'est d'abord un message de tristesse et de compassion. Deux vaillants soldats de l'armée de l'air guinéenne nous ont été arrachés. Le lieutenant-colonel Diallo et le sous-lieutenant Sekouba Kondé. Que leur âme repose en paix. Cet appareil au repêchage duquel nous venons d'assister, a rendu d'énormes services à la nation guinéenne. D'énormes services. Je suis un des témoins privilégiés de ce que je viens d'affirmer pour l'avoir plus d'une fois emprunté. Et ironie du sort, avec le même équipage, colonel Diallo et le sous-lieutenant Sekouba Kondé. Monsieur le Président de la République, profondément affligé, adresse aux forces armées guinéennes toute sa compassion et toutes ses condoléances. Également aux deux familles éplorées. Il les rassure tout de même du soutien du peuple de Guinée dans la douleur qui est la leur. Aujourd'hui, autour du ministre d'État à la Défense nationale, toutes les forces de défense guinéennes réunis également autour du chef d'état-major général des armées, les forces paramilitaires se sont mobilisées dans un premier temps pour apporter le secours qu'il fallait. Tous les efforts ont été déployés. Depuis les plongeurs de la marine nationale aux plongeurs privés, en passant par les jeunes artisans pêcheurs, la mobilisation fut une et unanime. Et à l'heure où nous nous adressons à vous, une des victimes a été repêchée. Le second élément, parce que Dieu seul sait ce que son sort est au moment où je m'exprime.
Donc le second élément, comme je l'ai dit, des recherches actives sont entreprises et elles continuent. Et puis, le crash de l'hélicoptère de l'armée de l'air suscite douleur et compassion. Nos reporters se sont rendus dans la famille où réside la mère de l'une des victimes. C'est la résignation de la tristesse. Habib Thiam. Dans une des pièces de cette morgue du CHU Ignace Dine se trouve allongé un martyr. Un corps a été retrouvé et on est en train de travailler. Le corps est arrivé quand? À quelle heure? Il est arrivé hier, donc on est en train de faire l'autopsie. Le sous-lieutenant Sekou Kondé était l'un des deux membres de l'équipage de l'hélicoptère qui s'est abîmé le matin du 6 août. Fatoumata Kondé est une mère qui se prépare à faire son deuil dans la douloureuse attente de la probable confirmation de la disparition de son fils. Sekouba a quitté ici un soir. En partant, il m'a dit au revoir maman. J'ai dit au revoir mon fils. Le matin, il dit à son épouse qu'il se rend au service. C'est comme ça qu'il s'en est allé. Aîné d'une famille de quatre enfants, le sous-lieutenant Sekou Kondé incarne des valeurs dont l'amour de la patrie. Il a été en Russie pour une mission. Il en a fait six ans. Alors, dès qu'il rentrait, et tout de suite, il s'est mis au travail. Le colonel Abdel Diallo, Sekou Kondé, tous martyrs, et à leur âme. Ils ont servi la nation guinéenne et ils sont morts pour la nation guinéenne. Loin des objectifs des caméras, les unités professionnelles de l'armée ont également retrouvé et remonté l'épave de l'appareil. Mais les opérations de recherche se poursuivent. C'est bien triste. Cannes 2019, le gouvernement, vous le savez, a débloqué d'importants moyens pour soutenir le CILI national. Mais notre 11 national n'a pas répondu aux attentes. Suite à cette élimination prématurée, un comité d'audit a été mis en place par le gouvernement guinéen. Ce jeudi, le comité a rendu public les résultats de l'audit provisoire devant les médias. Ousmane Bangoura pour le détail. Cet exercice n'est qu'une communication du rapport d'audit d'étape de la participation du CILI à la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. La question de transparence au cœur de l'action gouvernementale, d'où ce premier rapport d'étape avant la publication du rapport final. Ici, le premier responsable de la commission d'audit dévoile les premiers résultats aux médias du service public et privé du pays. Tirant les premières leçons de notre participation à ce rendez-vous sportif, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, avec l'accord de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a instruit le ministre de l'Économie et des Finances de procéder à l'audit financier de la participation de la Guinée à cette CAN. Les diligences de la mission ont consisté à examiner, premièrement, les dépenses sur le regroupement des joueurs et encadreurs depuis leurs différents clubs jusqu'à Conakry et de Conakry à Marrakech au Maroc. Deuxièmement, le transport des joueurs, encadreurs, officiels et supporters de Conakry au lieu des compétitions. Troisièmement, l'hébergement et la restauration des officiels et supporters à Alexandrie et au Caire. Quatrièmement, la couverture médiatique et les droits de diffusion. Cette communication vise à partager avec l'opinion publique le rapport d'étape en respect du principe de reddition des comptes qui régit désormais la gestion des ressources de la République conformément à la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé. À date, l'évolution de la mission d'audit se présente comme suit. Un rapport d'étape a été remis à M. le Premier ministre le vendredi 2 août 2019. Un reversement sur les montants annoncés de 14 954 707 359 francs guinéens a été fait au profit du Trésor public par le ministère des Sports, ce qui représente 1 567 350 dollars des États-Unis.
Après avoir pris connaissance du rapport d'étape, le Premier ministre a donné des instructions fermes et précises pour que certaines rubriques soient mieux renseignées et développées. Il s'agit, entre autres, des dépenses prises en charge par la CAF et préfinancées par le gouvernement, de la situation des dépenses effectuées au compte du comité de soutien pour un éventuel remboursement sur les fonds collectés. Le gouvernement Kassori est plus que jamais déterminé à faire toute la lumière sur la gestion des ressources du pays lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. Voilà, dossier à suivre. Santé, avec le lancement officiel de la nouvelle stratégie avancée de la santé communautaire, elle touchera 11 communes de Dubrika, Forikaria, Bofa et Koya. Ce projet est financé par l'USAID à hauteur de 4 800 000 dollars pour une durée de 18 mois. Reportage signé Abraham Christophe Kanté, Aboubacar Yabi. Ces acteurs du système de santé s'imprègnent du nouveau projet de renforcement de stratégie avancée dans les districts sanitaires du pays. Un projet de l'USAID piloté par la structure dénommée « Haute qualité de service de santé pour le développement ». Cette initiative en faveur de la santé de la population implique également partenaires techniques et financiers et autres départements sectoriels. Principal défi, rétablir la confiance de la communauté dans le système de santé guinéen. Nous supportons à travers ce projet l'accès aux soins dans 11 communes dont vous avez fait référence. Et ça va aider le gouvernement à faire accès aux services à travers les agents de santé communautaire et aussi les relais communautaires. Il s'agira donc de développer au niveau de chaque village, un paquet intégré d'activités préventives, curatives, promotionnelles et de réadaptation à travers des agents de santé communautaire qui vont être recrutés et rémunérés, mais aussi des relais communautaires qui seront postés au niveau de chaque village. Ce nouveau projet de stratégie s'inscrit dans la vision du gouvernement quant à l'amélioration de la politique de la santé communautaire, un des facteurs considérés comme un levier pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Pour qu'on soit sûr que ce qui est fait va être fait pour les communautés, les personnes qu'on a invitées sont les gestionnaires des communautés, les maires, les préfets, les chefs de centre de santé, les secrétaires généraux des communes, pour qu'ils s'approprient dès le départ le processus. Responsables administratifs et communaux sont édifiés sur le bien fondé de ce projet aux recommandations utiles pour la qualification du système guinéen. Un bréviaire dans la mise en œuvre de la stratégie de la santé communale dans les 11 communes des districts sanitaires de Koya, Bofa, Forikaria et Dubrika. Je vous le disais en titre, comment réguler le secteur pharmaceutique en Guinée, offrir à la population des médicaments de qualité? La question préoccupe les professionnels. Une étude vient d'être réalisée dans ce sens. Elle a permis de déterminer le nombre d'établissements installés dans notre pays. Plus de 800 pharmacies identifiées. Ousmane Ba. Ce document est le résultat de la cartographie des établissements pharmaceutiques privés de Guinée. L'étude révèle au total 811 établissements comportant 518 officines, 53 grossistes, 24 agences de promotion, une industrie pharmaceutique et 215 points de vente. Ces résultats permettront désormais aux autorités de réguler le secteur. Avoir des chiffres exacts sur la cartographie, sur la présence des établissements pharmaceutiques, des officines sur l'ensemble du territoire, permet aujourd'hui à la régulation qui est faite par la Direction nationale de la pharmacie d'exercer pleinement ses attributions. Quant à la délivrance des agréments, quant à la délivrance des arrêtés d'exploitation, mais aussi sur la qualité des médicaments qui vont circuler sur le territoire national pour protéger nos populations. Cette cartographie qui touche tout le pays détermine la proportion des établissements pharmaceutiques dont le site et le fonctionnement sont conformes à la norme. Beaucoup ont dû remarquer qu'il y a des installations anarchiques des officines qui sont installées de part et d'autre, en face quelquefois, et
sans respecter la démographie de la population et les distances qui séparent les pharmacies. C'est ce que nous voulons réguler, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans ça pour que la population bénéficie le plus possible des avantages liés à ces officines et que les officines ne soient pas seulement au niveau des grands axes, mais plutôt dans les quartiers et partout où besoin doit être pour limiter le déplacement des populations. Sur les 811 établissements pharmaceutiques enrôlés, seuls 441, soit 54%, sont détenus par des pharmaciens inscrits à l'ordre. Les titulaires des 370 autres établissements ne sont pas des pharmaciens. Direction de la baie, où les agences des Nations Unies viennent de faire leur revue trimestrielle, il s'agit d'évaluer les acquis et réaménager les objectifs conformément aux demandes exprimées par les collectivités. Sarfdine Diallo, Al-Gassimba. Pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, de nombreux projets sont en cours dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'environnement, entre autres. L'un des plus gros partenaires au développement du gouvernement demeure le système des Nations Unies. Dans leur participation au succès du PNDES, les différentes agences évoluant dans la région de l'Abbé tiennent leur revue pour évaluer le niveau d'exécution des travaux sur le terrain. Partout où je suis passé, dans cette région, j'ai touché du doigt leurs traces. Venir donc évaluer ce qui a été fait sur la base de ce qu'ils ont donné, je pense que c'est quelque chose de naturel, quelque chose à appuyer. Avec les autorités locales, il s'agit de mesurer les impacts des différents projets au sein des communautés. Ces journées d'échange permettent aussi de réorienter d'autres programmes selon les besoins et priorités. Qu'on mette beaucoup plus d'accent aussi sur le désenclasement des pistes, surtout dans les communes de convergence. Quand tu vas à Balaki, tu vas à Félokoundoua, difficilement tu accèdes à ces localités. Et ça aussi, en saison pluvieuse. Aujourd'hui, on a des activités que nous devons mener, mais avec l'intensité des pluies, ça va être vraiment difficile pour nous. La réponse qu'on leur a apportée pendant cette période, mais le plus important de cette revue, c'est de prendre les recommandations et les leçons apprises. Et les recommandations de l'État guinéen à travers aujourd'hui pour la région de la baie, à travers le gouverneur, ne sont que bienvenues, les bienvenues pour nous, le système des Nations Unies, parce que nous basons tout sur les priorités de l'État et aussi les besoins fondamentaux des populations que nous assistons. Ces revues régionales se tiennent simultanément dans toutes les régions administratives du pays. Ces enseignements permettront d'apporter des résultats ciblés aux problèmes de développement. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski. Les préparatifs vont bon train. De nombreux Guinéens préfèrent se rendre au village pour célébrer la fête de mouton. Du coup, les gares routières sont bondées de monde, les transporteurs débordés. Le temps presse. Notre reporter Alpha Issiagaba s'est rendu dans certaines gares routières de la capitale. Images et commentaires. Ambiance de Tabaski dans les gares routières de Conakry. De Matam à Matoto en passant par Ratouma. C'est la bousculade pour arracher un ticket de voyage. Alpha Ibrahim Baldé et Baba Djarabi comptent fêter cette année dans la cité de Karamoko Alpha Molabé. Ils étaient dans l'attente bien avant l'aube. Leur patience a fini par payer. Je vais aller pour la fête avec les parents, se revoir avec les amis. Et tous les parents en fait, en un mot. Ouais. Et des anciennes relations. Parce que c'est à l'occasion de la fête. C'est une occasion pour moi d'aller saluer les parents puisque ça fait un peu longtemps. Et une manière aussi de découvrir mon village. Comme ça fait presque 10 ans, je ne suis pas parti voir mon village. Depuis 3 jours, l'offre de véhicules est nettement en deçà de la demande. Les passagers sont nombreux. La Tabaski est devenue un moment privilégié de grandes rencontres familiales dans la contrée d'origine. Depuis 6 heures, Sadio Cissé et Baye Losso sont enthousiastes de retrouver la chaleur sociale du village.
mais ils n'ont pas encore eu de place à bord d'un véhicule de transport. Bon, il y a un petit souci de véhicule ici, c'est pas passé, mais on patiente et on espère qu'il y aura pas mal de taxi où je pourrais aller. Ça fait un peu longtemps, je ne vais pas aller, mais il y a aussi les soeurs qui sont là, la famille. J'aimerais vraiment aller les retrouver, ensemble on va fêter et en temps profiter pour revoir la vie parce que ça fait très longtemps. Je suis là depuis 6h30, mais on fait du va-et-vient, mais jusqu'à présent, on ne gagne pas du taxi. On se voit avec les syndicalistes, ils nous disent qu'il n'y a pas de véhicule. Donc on se demande à quel sens se vouer maintenant. Même si les chauffeurs et les responsables syndicaux se frottent les mains, ils sont sous pression. La demande est largement au-dessus de l'offre de service. On est prêt pour sortir quoi, si c'est plaît à dire. Je vais aller là-bas pour 5 jours, je retourne en Conakry 6. Bon, il y a un manque de véhicules à l'air, il y a trop de manque de véhicules à l'air là. De passer à de mauvaises routes comme ça, passer pour aller là-bas, c'est difficile à l'air là. Nous, on a fait assez à 4 jours pour rentrer là-bas, ou bien 3 jours le minimum, si ce n'est pas tombé, panne sur la route. Pour cette année, de multiples activités de réjouissance sont prévues un peu partout à l'intérieur du pays. Une opportunité de se ressourcer et de renouer les liens de solidarité en famille et dans la société. Tabaski est pour beaucoup un moment de sérénité pour repartir sur des bases sûres. En plus bref, le phénomène du changement climatique préoccupe le gouvernement et ses partenaires, notamment le PNUD. Les deux parties optent pour un changement, un renforcement du système d'information et d'alerte précoce à travers une météo fiable. C'est pour faire face au dérèglement du climat. Le reportage de Robert Bangoura et Ilal Sila dans nos prochaines éditions d'information. Nous partons au Mali voisin où la Fédération nationale des professionnels de la filière bois était l'invité de la campagne de reboisement dans ce pays pour freiner l'avancée du désert. Le gouvernement malien compte restaurer plus de 30 000 hectares. La participation de la Fédération guinéenne de la filière bois a permis un partage d'expériences entre les deux pays. Mamadou Alpha Baldé revient du Mali. Regardez. Au Mali, la saison pluvieuse atteint difficilement les 4 mois dans les zones dites vertes et 2 mois seulement au nord du pays. Ici, le reboisement est une priorité nationale. Pour cette 25e campagne annuelle de reboisement, la restauration de 34 000 hectares est projetée. Nous ne sommes plus dans le système de reboiser pour le plaisir de le faire et l'abandonner après. Aujourd'hui, nous appelons au reboisement toute parcelle sur laquelle on plante des arbres et qui est sécurisée. Si on doit couper un arbre, il faut reboiser 15. Et ça, c'est une très bonne philosophie. Dans son difficile combat pour un Mali vert, le gouvernement est appuyé par le principal exploitant forestier du pays. Conformément à la législation, la société de gestion forestière reboise plusieurs hectares en commun accord avec les autorités et communautés locales. Chaque espace reboisé est entièrement sécurisé par des grillages, par exemple. À ce jour, environ 585 hectares sont reboisés et sécurisés. Et maintenant, il faut organiser ces communautés pour aller les sensibiliser et leur dire d'arrêter de prendre de gauche à droite des petits sous aux gens qui viennent piller leurs ressources. Avant d'exploiter, il faut être sûr que les communautés ont bien compris. Il faut être sûr que les communautés connaissent les techniques de suivi, de surveillance, de lutte anti-feu et également de protection et également les techniques, n'est-ce pas, sylvicoles. Parce que quand on coupe, les souches qui sont là, les pieds qui sont là, il faut les aider vraiment à mieux rejeter. Et quand ils rejettent, il faut faire la sélection des rejets. Donc tout ceci-là, on doit apprendre aux communautés avant d'aller vers l'exploitation. Lancé dans le cercle de Kourou-Koto, à plus de 300 km de Bamako, l'expérience guinéenne est sollicitée à travers la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Des échanges techniques permettent aux deux pays d'améliorer les techniques de reboisement et d'entretien des plantes. Nous, on fait beaucoup de reboisement, mais on ne fait pas de clôture pareillement comme le Mali le fait. Donc ça, c'est une inspiration que nous allons amener chez nous. Et aussi, j'ai personnellement parlé avec M. Diarra et pour nous mettre en contact par rapport aux essences de bois. Puisqu'il y a des espèces qui sont en Guinée qui ne sont pas là. Donc si maintenant on est en partenariat, nous pourrons, à chaque année de reboisement, prendre des essences là-bas et envoyer ça à la Fédération malienne pour leur reboisement. Et ils en ont d'autres aussi qui peuvent réussir en Guinée,
Nous allons les envoyer là-bas aussi. Aujourd'hui, une meilleure collaboration entre la Guinée et le Mali dans le domaine forestier est en vue. Les prochaines années, la création de forêts transfrontalières pourrait cimenter davantage ce partenariat qui se veut durable. Rôle et responsabilité des femmes dans le processus d'adoption d'une nouvelle constitution. Le thème était en débat au cours d'une rencontre du réseau des femmes intègres de Guinée. La démarche vise à donner l'opportunité aux femmes de s'exprimer sur ce sujet. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.